Bon, j'approche des 20 millions, je peux ressortir un jeu. Donc, on va sortir. Alors, attendez, on va sortir quoi en premier? Est-ce qu'on va ressortir 4. Donc ça, ce sont mes 10 jeux les plus rentables. Donc est-ce que justement on remonte pas comme ça? Ou alors on fait... Non, on va faire uniquement les nôtres, parce que je suis pas sûr pour les... Donc on va commencer par la suite de Robin des Bois. Robin des Bois. Donc on passe en double A. J'ai pas vu, c'était un jeu de quoi? De stratégie. Donc moteur de stratégie, il est déjà au max. Là, il va falloir que je mette à jour mes moteurs avant, par contre. Donc voleur, voilà. Donc c'est pas une vente au détail, c'est un free-to-play. Donc il va me coûter 6 millions à développer. L'avantage, c'est que là, j'ai le retour. Donc, on va partir plus sur du jeu. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur Robin? Sur Robin des Bois. Putain, y a rien qui est dans l'ordre. Robin des Bois. Durée plus élevée. Ouais, donc ils veulent plus de pros. Ils veulent plus pour les pros, hein. Donc on va partir là-dessus. Ouais, ça me paraît correct. Attendez. Peut-être, j'espère. Hop. Ouais, comme ça me paraît sympa. Allez. Hop, on continue. Suppression des bugs. Amélioration du gameplay. Pourquoi j'ai pas cliqué sur le bouton en bas? J'en sais rien. Amélioration des graphismes. Amélioration du son. Et amélioration vidéo. Est-ce que je peux rembaucher du monde? Oui, même masse monde. Et des niveaux 6 aussi. Alors comme ça. Là, j'ai du monde qui honnêtement envoie du pâté. Il y a ça qui manque dans le jeu, vraiment pouvoir faire évoluer. Enfin, je pense que c'est dans la salle de formation, mais j'ai jamais compris réellement comment elle fonctionnait, la salle de formation. Elle est pas mal là. Il me manque. Ouais, alors pas ici par contre. Cette salle de com là. Robin des Bois. Ah, attendez, parce que je voudrais avoir juste mes stocks. Bon, lui c'est bon. Lui ils vont très bien, lui. Alors. Ok, studio de l'année Game Talent, donc on regagne.
Putain, Nobilis. Ouais, bah oui, j'avais pas créé. Bon, je peux créer 1 million hein, pour ce jeu. Je peux créer 1 million de cartouches. C'est bon, là c'est bon. La machine est en route là. Je suis remonté à 30 millions. Voilà, les quelques jeux que j'ai revendus là sont bien. Voilà, Space of the Dead. Je peux même sortir une mise à jour après là, après la sortie de Roma des Bois, certainement. Bon, les spécialistes du gameplay ont quasiment terminé. Y a 3 technologies supplémentaires. Donc ça, ce sera recherché dès que possible. 60 millions, voilà. Donc là, le c'est bon. Ça remonte, les finances remontent bien. Honnêtement, c'est bon. Ok, les graphistes ont terminé. Bon, ça va. Malgré le manque de personnel, honnêtement, ça va, on gère. Faut juste, par contre, qu'on continue à recruter, quoi. Le recrutement continue, hein. Même s'ils sont pas au top du top, tant pis. Putain, quand le jeu est pas en pause, ils galèrent vraiment à trouver leur poste, hein. Voilà. C'est bon, vous avez trouvé quelque part où vous mettre? Allez. On va se mettre sur la suppression de bugs aussi pour. Hop, voilà. Honnêtement, ils sont à. Voilà, ils sont à 2 bureaux sur le sujet. Alors, pas tout de suite, il reste un bug. Voilà. Maintenant, tu peux publier le jeu. Voilà. Donc, le truc de la libération, par contre, du téléchargement, c'est que c'est immédiat. Donc, c'est-à-dire que le jeu est en vente immédiatement. Il n'y a pas de durée avant le lancement du jeu pour faire les mises à jour, tout ça. Ça, c'est un petit peu bête. Honnêtement, je. Ouh! Ouh! Il est bien. 85%, c'est pas dégueulasse. Je fais la mise à jour tout de suite. Ça sera fait. On se mène. Est-ce qu'on attend le prochain jeu? Ouais, c'est bon, il me rapporte quasiment 1 million par semaine là pour le moment. Donc voilà. Ouais. C'est bon, en tout cas, la machine est partie là. La machine est clairement partie. 9 semaines, est-ce que j'attends avant de sortir le prochain jeu ou est-ce que je lance tout de suite ma suite? Ce serait une suite sur quoi d'ailleurs? Mes jeux. Après Robin des Bois, c'est Cats Aventure Movies. Cats Aventure, un des meilleurs jeux que j'ai vendu, évidemment. Vous vous souvenez tous de la miniature de l'épisode 5. Je me suis tellement éclaté à la faire. Mais tellement. Allez, on va attendre un petit peu. On va attendre les 5 semaines. En attendant, voilà, on va faire les recherches. Pour éventuellement créer une console dans les prochaines dans les prochains mois.
globe. Quitte le marché. Alors pourquoi tu fais pas la suite? Plus que 2 millions avant que Robin des Bois soit rentable. Donc voilà, donc le free to play, la rentabilité est un peu plus longue. Mais elle est garantie. Elle est quasiment garantie en fait la rentabilité. Alors que sur les jeux, en fait, on en a eu très peu hein, qui n'étaient pas rentables. Mais voilà, Robin des Bois est rentable et il le sera désormais à vie. Comment dire? Voilà, le succès des jeux n'était pas garanti avant. Agent, on a pas le thème agent. Non. Donc on va rechercher agent et simulation économique. On va tout de suite améliorer le moteur. J'ai pas le moteur de simulation économique. Et nouveau moteur. Économique, simulation économique. 2 millions. Et les gars, je le vends 1 million. Hein. Excusez-moi, mais là. Voilà quoi, je veux dire, c'est. Vous devez sélectionner un genre. Oui, bah, simulation. Mince. Simulation économique. Voilà. C'est vrai que j'ai sorti aucun jeu de simulation économique. Ça va être la galère. Bon. Space in the Dead. Robin des Bois. Et le tout dernier, c'est Nabellus là. Nabellus qui se vend bien. 27 millions. Prince of Darkness, 32 millions. Bon. C'est peut-être encore rentable, mine de rien, le double A. Je sais pas trop. 2006, ouais, les double A en 2006, ouais. Ouais, oui, si, c'est encore moins les courantes, oui, j'avoue. J'avoue. Mais bon, on va se tourner vers le free to play, comme je vous l'ai dit. On va se tourner énormément là-dessus. Hein. Ok, et donc on va développer le jeu. Donc un triple A. Oui, alors je sais que tout tâche, c'est pas forcément le meilleur truc qui soit. Alors là, le problème, c'est qu'on a vraiment des trucs qu'on maîtrise pas du tout. Agent, simulation économique, un truc d'agent immobilier peut-être. Donc un truc avec des briques. J'ai envie de compenser avec de la strat. Ou construction. Voilà, un agent. Voilà, un simulateur économique d'agent immobilier. J'ai un doute sur l'orthographe de son nom. Mais voilà, on va faire un. On va faire Stéphane Plaza le jeu, quoi. Ouais, ok. Est-ce que ça marche? Le copier-coller marche dans le jeu. Le copier-coller marche dans le jeu! Quoique, je pourrais faire. C'est comment le nom de son simulateur plutôt? Simulator. Ouais. Stéphane Plaza Simulator. Voilà. Hop. Qu'est-ce que tu vas faire?
Hop, simulation économique. Putain, la vache, toi, le. Oh, si c'est pas un carton, je comprends pas. J'ai pas d'autres jeux AAA. Si, j'ai d'autres jeux AAA. Enfin, d'autres consoles AAA qui sont sorties. On va peut-être vérifier. Avant tout. Si ces consoles-là sont pas mieux que celles qu'on a actuellement. Alors, le PC c'est toujours le numéro 1. L'Apple Mac est passé deuxième. Toujours la Xbox. Et là, non, la PlayStation 2 est toujours là. Alors, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Donc, on va plus se baser sur le gameplay, avec une bonne durée de jeu, avec un bon fonctionnement, avec de la convivialité équilibrée. Et plutôt pour les pro-gamers. Et j'ai vu qu'il y avait une protection contre la copie un peu mieux. Donc, on va l'acheter. On va même toutes les acheter, comme ça, au moins cet écran, on n'aura plus vraiment à faire attention. On y va. On y va, on y va. On garde ça. On garde ça. Allez. 26 technologies. Hop, le système et le modèle économique. On garde le même. On change pas une équipe qui gagne. Amélioration du gameplay. Amélioration des graphismes. Amélioration du son. Amélioration de la vidéo. Et évidemment, la com. Et le recrutement, comme au début de chaque jeu. Allez, hop. J'adore, t'imagines, à chaque fois, c'est les gamers du jeu précédent qui postulent. Oui, alors, j'ai bien aimé votre jeu, alors je voulais voir si on pouvait intégrer votre boîte. Tout à fait, vous êtes le bienvenu. Truc qui arriverait jamais en vrai, quoi. Bon. Prince of Darkness, 32 millions. Peut-être déjà regarder Auricom. Ouais, 53 semaines pour Globe. Donc quand on aura... Voilà, quand on changera de thème, il faudra regarder Auricom. Ok, 4 millions pour le moteur de stratégie. Pas mal, pas mal. Et on est à 100 millions, presque. On est remonté à 100 millions, donc je revérifie juste au niveau de ma banque. Ouais. Et j'ai aucun prêt en cours, donc on va repasser au rachat de nos concurrents. Plutôt cool. Mais je vais mettre fin à cette session de tournage. J'aurai tourné peut-être 3 ou 4 épisodes là. Ce qui est plutôt cool. Donc vous aurez certainement tous les épisodes pour le mois de mars là. Mi-février, mi-mars, un truc comme ça. Ok, nouvelle tech. Et on va essayer de développer une console. Ouais, ça me parle bien ça. Là maintenant, maintenant je le sentirais bien. Faut vraiment que ça. Enfin voilà. Il y a du boulot hein, pour le faire, mais. J'ai pas. Je le sens. On peut potentiellement sortir une console AAA si on fait les recherches adéquates.
Si on fait les recherches qu'il faut, honnêtement, on peut le faire. Alors par contre, le truc, c'est que moi, je décolle. Et je suis sûr que mes concurrents ne gênent pas. Eh ouais. Ah, si je regarde le capital. Ouais, le plus bas est à 210. Eux aussi, ils sont en train de décoller. Eux aussi, ils sont tous en train de décoller. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi. C'est que là, leur rachat va être très très dur. Après, leur chiffre d'affaires est limité dans le jeu. Hein. Bon, parce que voilà. C'est genre 2000 millions, je crois. Donc 2 milliards. Ouais, on va supprimer les bugs aussi ici. Voilà, voilà. Donc, Stéphane Plaza Simulator est en train d'être créé. Enfin, de... Voilà, on voit pas le pourcentage. Ouais, 96%. Quatre bugs, un bug, 5 bugs, hop, on publie le jeu. Hop, alors, qu'est-ce que ça nous dit? 77%, il est pas dégueulasse, il est très bien. Il est très bien, et on va faire tout de suite notre suite à... Cats Adventures Movies. Film animaux, RPG, simulation. Ah, il va falloir que j'améliore mon moteur RPG avant. Donc on va améliorer le moteur RPG. Voilà. Bah on va le vendre à 1 million, hein. On le vend à 1 million, toujours 25% de recettes sur les... Voilà, sur les... Hop, Game Motor RPG. On va à nouveau regarder au personnel qu'on peut embaucher. Hop, 5 nouvelles personnes. C'est bizarre, il me semblait avoir sélectionné plus que ça. Genre 6 personnes. Bon, ça va bien. Il manque encore une vingtaine. Ouais, il manque presque une quarantaine de places vacantes encore. Hein. Studio de l'année. Voilà. Voilà, voilà. On va faire des contrats de prod. Et puis... Ben, on est parti. On est parti pour notre petite mise à jour. Enfin, notre suite. À Cats Adventures Movies. Le moteur RPG, tout beau, tout propre, c'est pas une vente au détail, c'est un free to play. Je vais prendre l'habitude de regarder un petit peu parce que toutes les consoles sont pas sorties encore. Hein. Toutes les consoles ne sont pas encore sorties, on est très bien. On est très bien. Moteur 3D avancé. J'ai mieux que ça. Ah oui, le moteur 3D parfait. Ok. Il est parfait. Comme ça. Top. Alors. Suppression des bugs. Amélioration du gameplay.
Donc après voilà, c'est un petit peu répétitif là-dessus, mais... Amélioration du son. Là encore, j'ai de la chance, j'arrive à sortir deux jeux. Parce que voilà, parce que j'ai créé des gros studios. Honnêtement, voilà, j'arrive à sortir deux jeux en un cycle. Honnêtement, c'est bien quoi, c'est plutôt cool. Tout le monde. Putain, j'ai tout le monde au boulot là. J'ai tous les bureaux qui bossent. J'ai suffisamment de personnel pour vraiment que tout le monde focus le jeu et sans dénigrer le bureau de le support client. Alors ça c'est bien, ça c'est cool. Il me faudrait un deuxième bureau de dev. Il me faudrait absolument un deuxième bureau de dev. On va se le créer. On va se créer un bureau de dev spécifique. Spécifique en fait au contrat. Comment on va faire ça? Si je fais ça. 30 personnes. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc. Je vais juste réduire. Ouais, on va réduire comme ceci. Allez. Alors, attendez. Hop, on va se mettre juste comme ça. Voilà. Comme ça, je vais avoir un deuxième bureau et celui-là, je vais essayer de le remplir également pour avoir, enfin pour voilà, pour remplir les contrats en fait. Eux, ils vont être spécialisés en fait dans les contrats, hein, de voilà, remplir les contrats quoi. J'ai trois personnes, mais ce sera pas suffisant pour ça. Faut au moins que les mecs soient 10 par contre pour que je puisse lancer les contrats avec ça. Mais voilà. Au moins ça me permettra voilà, d'avoir en permanence les contrats renouvelés. Voilà. Donc ça c'est. Voilà, c'est pour de l'argent de poche encore, hein, mais bon. Un million de fans. On a un million de fans. On a le million de fans. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, j'ai juste checké l'espace de mon disque dur, mais à mon avis, il était rocké. Voilà. Ah ouais, il m'a... j'ai rempli qu'un tiers. J'ai rempli qu'un tiers là où normalement le disque dur, l'espace qui me reste sur mon disque dur interne, bah, c'est 100 gigas, donc là j'ai 10 fois plus en fait, donc c'est logique que je puisse tourner 10 fois plus, mais... Oui, parce qu'il me restait juste 100 gigas disponibles. Pour tout faire, hein, pour faire le tournage, le traitement et tout. Donc là maintenant ça va se faire sur le disque dur externe. Ça va être beaucoup plus pratique. Le peu de développeurs disponibles, on va la signer là. Qui passe à 40 développeurs pour aller plus vite. Par contre, ouais, par contre, pas forcément eux quoi.
Voilà, comme ça va aller encore plus vite. Merde, quatre aventures mutuelles. Il y a des problèmes avec les drivers actuels sur les différents appareils. Certaines fonctions ont dû être réécrites. On a perdu 69 points de technique. Déjà que la tech est pas le plus élevée. Ok. On va publier. 4 Summer Adventure Movies. ~80%, il est pas dégueulasse. Oula, Stéphane Plaza Simulator là, il... Ouais, j'ai déjà... Enfin, j'ai déjà sorti la... Ah, ouais, bon. Il le sera, hein, mais peut-être pas dans l'immédiat, quoi. Au bout de 20 semaines, il est pas rentable, quand même. Il fait chier, là. Bon. Allez, prochain jeu. Prochain jeu que je... En même temps, je m'y attendais, hein. C'était des thèmes qu'on n'avait jamais abordés avant, donc c'était à peu près sûr qu'on allait se casser la goule. Prochain jeu 2001. On va le faire rapidement. C'est un quoi? C'est jeu d'énigmes. Mince, il va falloir que j'améliore mon moteur d'énigmes. Bah juste avant. Ah, il y a des nouvelles techno. Il y a des nouvelles techno. On va la chercher avant. Ok. Non, pas de nouveau moteur. Donc, on va améliorer le moteur d'énigme. Parce qu'il est vraiment à la bourre. Hop. 1 million. Et on va remettre un petit peu... Sur le... Ouais. Mince. Pourquoi ça se vend pas? Attendez, je crois que je me suis planté sur le... C'est où? C'est là. J'ai un doute sur le modèle d'affaires. Ouais, non, c'est bien ça. Je suis full. J'ai plus de... Tous mes serveurs sont pleins. Faut que je rachète des serveurs. Putain, c'est presque 1 million de serveurs quand même. Allez, je viens de passer à 20 millions, je vais passer à 30 millions. Voilà. Je me dis zut, pourquoi Bah ouais, évidemment. Voilà, là les ventes elles se passent mieux quand même. Les ventes elles se passent mieux. Mais je suis sûr que même Stéphane Plaza Simulator c'était le même problème, je suis sûr. Ouais, je crois. Bon. J'ai pas fait attention à ma capacité de stockage sur mes serveurs.
C'est ballot. 4 aventures Newbies. Stéphane Plaza Simulator, Romain Desbois. Et donc là, l'avantage, c'est que j'aurai toujours des jeux à présenter dans mes conventions. Parce que les 4 jeux qui sont là ne disparaîtront jamais, en fait. Donc, voilà. Romain Desbois, il a l'air de... Waouh, quoi. Ah oui, ok, 135 millions. 135 millions de rente, le jeu. En combien de semaines? En 63 semaines, ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Après 2001... ouais, c'est 2001, donc... On va le développer tout de suite. Il nous reste 11 semaines avant de découvrir le nouveau genre. De toute façon, il y a de grandes chances qu'on doive le rechercher avant. C'est pas ces énigmes, ouais, c'est ça. C'était le moteur d'énigmes qu'on avait amélioré. Ok. Ok. On veut garder ce concept. 4 millions. Il y a un truc qui cloche. Ouais. Voilà. 6 millions, ça colle un peu plus avec le prix. Je me suis dit 4 millions seulement. C'est ouais, à développer, mais non. Non. Que nenni. Beaucoup plus cher que ça. Supprimer les bugs. Amélioration du gameplay. Les graphes. Le son. La vidéo. Et la com. Le petit recrutement qui va avec. Mince. Ok, ça nous fait déjà 5 personnes de plus. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Ouh. 10, 11, 12, 13, 14. 15 et 16 personnes de plus. Donc, je pense que je peux lancer des contrats. Ouais. Voilà, comme ça, j'ai les contrats... qui sont en cours, puis les productions, et j'ai oublié les recoms. Oh, j'ai largement le temps en fait. J'ai largement le temps pour les recoms. Enfin, il me reste 4 semaines, c'est pas ouf, mais voilà. Essayer de sortir ce jeu là juste avant ou peu de temps après avoir eu les le nouveau thème à la mode. Donc là, le free to play, plus on va en avoir, plus ça va nous rapporter tous les mois. Et ça nous rapporte toujours un petit peu tous les mois, de toute façon.
On a encore une techno. Ok, les arbres. Donc pour de l'environnement. Les arbres pour l'environnement, donc c'est cool. Continuer les recherches pour une console. Parce qu'on est en 2007. Il faut absolument que pour 2010 on sorte une console. Ça va être chaud. Ça va être chaud de sortir une console en 2010. Le 10 ou un peu après, hein, mais. Par contre, une fois qu'on crée une console, si jamais on arrive à la créer, ben voilà, si on a le pognon pour la créer, tout ça, honnêtement, c'est parti, quoi. On décolle. Parce que là, si j'essaye de créer une console. Ouais, 3 coeurs, tout ça. Eh, déjà 83 millions. Et c'est quoi? C'est une console A, ça. C'est de la merde. Et mais déjà 83 millions, quoi, ça me coûtait. On est bien et on a le nouveau thème. Ouh, le thème politique. Le thème politique. Le thème politique. Sport et politique. Sport et politique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Qu'est-ce que tu veux que je te trouve sur ce thème? Et on va améliorer. Je l'ai le moteur de sport. Hein. Hey, j'ai pas de moteur de sport. J'aime de sport. Moteur de sport. Ouais. Pas très inspiré là. Politique, sport. Le seul sportif qui fait de la politique que je connais, c'est David Douillet. Qu'est-ce qu'il va faire comme ça? David Douillet Simulator? C'est bon, on va pas refaire la blague avec. On a déjà fait la blague avec Stéphane Plaza, on va pas faire la même avec David Douillet quand même. Ouais, on avait Sarkozy aussi qui faisait du footing. Bon. Oh! Sport, cours et saute! Et je fais un Nicolas Sarkozy. Jogging Simulator. Ouais! Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais trouver. Bon, c'est rigolo. C'est marrant. Jogging. Politique, sport avec le moteur de sport. J'ai dit course et saute. Et
Je suis désolé, mais j'ai les thèmes voleur et mafia. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis désolé, hein. Désolé, hein. Par contre, j'ai le mot sur. Ouais. Il y a 2G à jogger. D'accord, ok. Allez, ouais, puis un free to play. Je suis désolé, hein. Je vous avais dit, hein, au bout d'un moment, les noms des jeux vont partir en live. C'était sûr. C'était sûr qu'arrivait un moment, j'allais tomber sur un thème comme ça. Et je redoute quand je vais tomber sur le thème érotique. Parce qu'il y a le thème érotique dans le jeu. Je redoute de tomber là-dessus. Vous avez pas idée. Érotique et politique, là je fais des scores. Non mais je suis désolé mais. Qu'est-ce que. C'est le jeu qui est comme ça, hein. C'est tout le jeu me tend des perches, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis taquin, hein. Arrive un moment. J'hésite. Non, il est déjà à moi. Allez. Northwood. Je viens d'acheter Northwood. Oh, progressivement, on rachète des gens. Progressivement, on... pierre par pierre, on... on étend notre empire. Aïe. 14 millions de joueurs quand même sur nos serveurs. Ah. Eh. Pas mal. Pas mal. J'ai pas sorti la mise à jour pour 2001. Ça risque de m'être fatal ça. Bon, il est rentable, mais il pourrait être plus rentable. Bah écoute, de toute façon, c'est sur cette sortie, voilà, de Sarkozy Jogging Simulator que je vais mettre fin à cette session de tournage. Depuis le temps que je le dis. Voilà, j'espère que ça vous aura fait rire. Imaginez, je sais pas, Nicolas Sarkozy courir avec avec du pognon parce qu'il y a le thème voleur. Ben, voilà, quoi. Avec les chaînes de Lilian, avec les chèques de Lilian Betancourt.
Non, c'est pas Lilia. Si, c'est ça, hein. Madame Bédancourt. Aïe, 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 aïe. Que voulez-vous que je vous dise? Allez! Sauf que je commence un peu à fatiguer là. Puis je commence à se faire taire, hein, mine de rien. Millions de joueurs, et eh ben Nicolas Sarkozy Jogging Simulator. Attendez, il m'a coûté que 8 millions. Ça va, honnêtement, ça va. Ça va, ça va, ça va. Hop. Donc, on sort la mise à jour. On les remet sur les contrats. Bah alors, pourquoi tu l'as pas validé? Ça, on va les remettre également sur les contrats de prod. Voilà. Et on va regarder juste le prochain jeu que je sortirai. Donc après 2001, c'est The War Doctor. Purée, hé. Robin des Bois, 247 millions. Qui m'a rapporté déjà. Pourquoi ça remontait aussi? Il m'avait coûté que 8 millions, pourquoi il est passé à 10 millions? Oups. C'est bizarre, j'ai l'impression que le coût... Ah non, c'est parce que ma salle serveur a dû me coûter entre deux. Je suis sûr que c'est ça. 100% c'est ça. Bon. Bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah bah non, on est peut-être à la moitié d'un épisode. Moi je mets fin à cette session de tournage, donc peut-être qu'on se retrouve là dans un instant, soit l'épisode suivant. Je ne sais pas. Mais moi, je m'arrête là. A tout de suite.